Ma peinture actuelle, elle est essentiellement concentrée sur la représentation du corps. Je cherche à être confronté à la beauté, mais aussi à quelque chose qui est de l'ordre du désir. La nudité de mes modèles est extrêmement importante pour moi. Le fait que les modèles soient nus demande de sa part un lâcher-prise et me permet d'aller chercher cette beauté à travers la chair et de confronter le spectateur à son propre désir. Le choix de mes modèles, c'est des rencontres en fait. C'est vrai que je vais choisir mes modèles parce qu'ils me plaisent. Il y a quelque chose qui doit me plaire pour que j'aie envie de les peindre. Donc ça passe par l'image, au premier abord. Ensuite, et très rapidement, c'est ce que la personne dégage, ce que la personne émane, qui va me donner envie ou pas de le peindre. Je m'inscris dans la lignée des peintres des clairs-obscurs, ce qu'on appelle les maîtres de l'ombre et de la lumière. Ma technique de peinture, c'est une technique traditionnelle, c'est la peinture à l'huile. C'est une technique qui est très longue et une technique qui est indirecte. J'aime bien passer des semaines, voire des mois sur une toile. La question du temps, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pratique la peinture tout comme je pratique la méditation. C'est une pratique qui amène à se centrer, à se concentrer et à sortir du temps. Pratiquer un art, c'est s'échapper du temps.